bien le touche là. Wesh, ça va Thibaut? Ça va et toi? Bah non, parce que regarde, filme le... de près. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai cartonné la Sierra. Ouais. Oh mon dieu. Mais là, viens voir. C'est vraiment moi, regarde. Mais là, regarde le feu là. Lui, il va bien. Lui. Regarde. Ah, t'entends le bruit? Un coup de pétard, ma couille. Regarde, viens filmer le touge. On a tout cartonné. Bah voilà, c'est que je peux pas rentrer chez moi. Ce soir, je suis coincé, les gens. Putain, je suis pas bien, ma pauvre Sierra. Oh là là, je l'ai cartonné. Oh, j'ai cartonné, mais c'est vraiment ma Sierra, regardez. Clutch Kickers. Voilà, c'est ma Sierra, ça. Bref, faites attention à vous. Et elle va être réparée et on va faire du gros sale. Eh frère, c'est que du matériel. Et ouais les gens, ça c'est la mentalité Clutch Kickers. C'est quand on vous prête une voiture, quand tu viens de cartonner, bah il y a toujours les frérots, ils te prêtent un petit E36. Et tu roules avec dans les rues, à la cité bien évidemment. Franchement, tu vois, ça c'est l'esprit solidaire des Clutch Kickers. Bon, je suis dans la merde. J'ai perdu. Il y a deux goujons de roue qui ont cassé. Il y en a un là, il a cassé. Là, il y en a un, il a cassé. Lui, on n'arrive plus à l'enlever. Et voilà, là, et là voilà. Je suis en panne, les gars. Je suis en panne. En province. J'ai des roues de secours. Je vais pas vous mentir, là, je commence à en avoir marre de toutes ces galères de touge. Mais on va revenir encore et encore plus fort la semaine prochaine. Gros bisous les kickers et gros bisous au frérot qui m'a prêté la voiture. Ciao ciao. C'est comment d'être un nouvel automobile?